Justement, parlons de la ville de Drummondville. Elle a présenté son plan d'action de foresterie urbaine pour 2020 jusqu'à 2025. Oui, c'est un outil de planification qui vise à permettre une gestion et une planification adéquate des interventions à réaliser par les différents services de la ville pour la conservation et le développement de son patrimoine forestier. C'est un plan, tu l'as dit, là, qui s'étale sur 5 ans et également qui est développé autour de 5 axes d'intervention. Parmi les objectifs, la ville souhaite augmenter le nombre d'arbres plantés sur le domaine public et favoriser la plantation d'arbres dans les zones privées, notamment dans les secteurs industriels. Le but d'ensemble est de réduire les îlots de chaleur existants et de déterminer les sites propices à la plantation d'arbres.